La Kenyane Brigid Kosgei, détentrice du record du monde de la distance en course mixte, qui a remporté le marathon de Londres en 2019 et 2020, ne le fera pas cette année. Ce dimanche 23 avril 2023, elle a été contrainte d'abandonner après seulement quelques centaines de mètres. J'étais bien préparé mais, il y a quelques semaines, j'ai eu des douleurs aux ischio-jambiers et dans un genou, avait-elle prévenu quelques jours avant la course lors d'une conférence de presse. Une autre femme n'a quant à elle-même pas pris part à la compétition, il s'agit de Kate Middleton. La journaliste Bryony Gordon, qui a terminé le marathon, avait demandé à l'épouse du prince William si elle comptait y participer. La mère de George, Charlotte et Louis, avaient répondu par la négative. Oh, je ne peux pas parce que la sécurité est un peu difficile, lui aurait répondu Kate Middleton. Bien sûr, ouais, ouais, bonne excuse. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire, lui avait alors rétorqué avec humour la journaliste, qui est beaucoup moins sportive que la princesse de Galles. Un échange rapporté par Runner's World et dont se fait l'écho le Mirror. Le tabloïd rappelle qu'en 2017 Kate Middleton n'avait pas pris part à la course, mais s'était tout de même rendue au marathon de Londres. Car, cette année-là, Heads Together, organisme en charge de la santé mentale qu'elle défend, était l'une des principales organisations caritatives mises en avant. Kate Middleton, la sportive, entre tennis, VTT, et bateau, la princesse Béatrice l'a fait en 2010. Si malgré ses aptitudes sportives, Kate Middleton n'a jamais fait le marathon de Londres pour des raisons de sécurité, un autre membre de la famille royale s'est déjà livré à l'exercice. Il s'agit de la princesse Béatrice. En 2010, elle a couru la course pour l'association caritative Children in Crisis de sa mère Sarah Ferguson, rappelle le Mirror. Avec son petit ami de l'époque, Dave Clark, et ses amis Sam et Holly Branson, elle faisait partie des 34 personnes qui avaient formé une chaîne humaine, établissant ainsi un record. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Backgrid UK.